Les principales missions de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, c'est de rédiger les textes de loi dans lesquels on fixe les modalités de production de chaque produit. Tout doit être écrit. Tout ce qui est écrit doit être fait. Tout ce qui est fait doit être contrôlé. Et c'est pour ça que ces signes sont les signes officiels de l'origine et de la qualité. C'est aussi pour cela qu'ils peuvent mériter la confiance du consommateur. Je m'appelle Nathalie Vuchère et je m'occupe d'herbes de Provence depuis près de 25 ans. Damien Fraisse, 27 ans, exploitant agricole sur ces côtes du Quercy, au sud de Cahors, avec 700 brebis en race typique de ce territoire, la Causse du Lot. Je m'appelle Thierry Pollet, je suis le président de l'ODG Turbo Qualité. Le Turbo Laval Rouge est donc un poisson d'élevage qui est élevé en France. Là, vous êtes sur un des sites d'élevage solide et normoutier. Les herbes de Provence Label Rouge, c'est une vraie recette authentique qui met en œuvre des plantes du thym, du romarin, de la sarriette, de l'origan à proportion fixe avec une recette qu'on a élaborée pour avoir le plus de goût possible. Cette brebis, elle est dédiée à la viande. Aujourd'hui, elle vit dehors de mars à décembre en pâturant sur des surfaces assez grandes pour donner le meilleur lait à son agneau qu'elle garde 70 jours et qui après fait une qualité de viande recherchée. La durée du sac d'élevage, c'est à peu près 3 ans. On a cherché non pas à faire un poisson qui pousse rapidement, mais plutôt un poisson qui profite, qui prend son temps. C'est un turbo qui est réputé pour sa texture ferme, sa saveur. Le label rouge est une particularité française, et une très belle particularité française, puisqu'il s'agit de reconnaître une qualité supérieure. On va observer de façon précise et objective ce qui se fait habituellement, et pour obtenir au label rouge, il va falloir démontrer qu'il y a des différences qualitatives, objectives, supplémentaires, qu'un collectif s'impose. Et c'est bien la notion de qualité supérieure que le label rouge vient reconnaître. Le label rouge, c'est un signe de qualité supérieure. Toutes les plantes qui rentrent dans la composition des herbes de Provence label rouge sont des variétés typiques du sud de la France et elles poussent toutes en Provence. Voilà. Cette qualité supérieure, on la juge chaque année avec un jury sensoriel qui va goûter et juger et noter notre poisson. Et il faut que chaque année, on soit systématiquement meilleur que le produit standard. On a un vrai plaisir. Enfin, une plante aromatique, ça doit donner de l'arôme. Et donc là, on est vraiment au summum. Ah, moi, je l'aime bien tout simplement au four, avec des petites pommes de terre de Normoutier, c'est nickel. Ah, je l'aime grillé, parce que c'est une viande fine. Et c'est vrai que quand il fait beau, avec un petit vin de Cahors, un petit rocamadour, je pense qu'on n'est pas loin du paradis. Eh bien écoutez, l'herbe de Provence, surtout quand on a une magnifique herbe de Provence comme ça, qui a beaucoup de goût, ben on l'utilise toute l'année en fait. Et nous ici, on s'en sert aussi beaucoup en tisane. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est jamais malade dans le Midi.